Yeah. Qu'est-ce que tu nous enseignes? Si tu es mal dans ta peau, faut pas pourrir la mienne. Quand les cieux nous peignent, y'a pas de couleur sale ou de couleur vilaine. Donc qu'est-ce que tu nous enseignes? Si tu es mal dans ta peau, faut pas pourrir la mienne. Quand les cieux nous peignent, y'a pas de couleur sale ou de couleur vilaine. Ken, je suis pas d'accord, l'immigration n'est pas un problème en France. Mais rien, nos politiques fondées sur la peur et l'ignorance. En temps de crise, pas de solution, perte de repère, plus de référence. On trouve un bon bouc émissaire pour que le peuple ne perde patience. Un martyr pour que commissaire puisse exercer sa science. Babylone à mon sens est devenu un non-sens. Une démence, une offense pour ceux qui pensent et qui voudraient donner une chance à la France. Well, qu'est-ce que tu nous enseignes? Si t'es mal dans ta peau, faut pas pourrir la mienne. Quand les cieux nous peignent, y'a pas de couleur sale ou de couleur vilaine. Donc qu'est-ce que tu nous enseignes? Si t'es mal dans ta peau, faut pas pourrir la mienne. Quand les cieux nous peignent, y'a pas de couleur sale ou de couleur vilaine. On ne veut pas blaguer avec les fachos. Ils mentent aux Français, ne racontent que des mythos. Ils trompent les gens par leur discours des magots. Ils ne veulent que l'argent, cherchent à trouver le magot. Vous devez être prudent, ils utilisent gun et couteau. Même si chaque t'es présent et bien assez refaux. Pour d'être ces idiots, pour d'être tous ces faux. Pour d'être tous ces bambos, yeah yeah. Qu'est-ce qu'ils vous enseignent? Ils sont mal dans leur peau, faut pas qu'ils pourrissent la mienne. Les cieux nous peignent, y'a pas de couleur sale ou de couleur vilaine. Donc qu'est-ce qu'ils nous enseignent? C'est qu'on mal dans leur peau, faut pas pourrir la mienne. Quand les cieux nous peignent, y'a pas de couleur sale ou de couleur vilaine. Okay. Et c'est le manque d'instruction et leur manque d'éducation. Oh, tels sont les moteurs de leur discrimination. Ils n'ont pas de tolérance et ne prônent que l'agression. Mais pas de chance car nous sommes la nouvelle génération, c'est toujours la même. C'est toujours idem. L'inconnu ou l'autre sont la cause de tous les problèmes. Tout ça par ignorance ou par médiocrité. On fait preuve d'intolérance, on laisse parler l'absurdité. Ils utilisent nos peurs et cultivent nos haines. Alimentent nos doutes, profitent de la détresse humaine. Ils abrutissent nos crânes, vampirisent nos peines. Mais il faut le savoir, c'est eux qui ont un vrai problème. Donc again, well, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Ils sont mal dans leur peau, faut pas qu'ils pourrissent la mienne. Quand les cieux nous peignent, y'a pas de couleur sale ou de couleur vilaine. Donc qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Ils sont mal dans leur peau, faut pas qu'ils pourrissent la mienne. Quand les cieux nous peignent, y'a pas de couleur sale ou de couleur vilaine. Qu'est-ce que tu nous enseignes? Si t'es mal dans ta peau, faut pas pourrir la mienne. Quand les cieux nous peignent, y'a pas de couleur sale ou de couleur vilaine. Donc qu'est-ce que tu nous enseignes? Si t'es mal dans ta peau, faut pas pourrir la mienne. Quand les cieux nous peignent, y'a pas de couleur sale ou de couleur vilaine. Je suis d'accord, l'immigration n'est pas un problème en France. Mais rien que nos politiques fondées sur la peur et l'ignorance. En temps de crise, pas de solution, perte de repère, plus de référence. On trouve un bon bouc émissaire pour que le peuple ne perde patience. Un martyr pour que commissaire puisse exercer sa science. Babylone à mon sens est devenu un non-sens. Une démence, une offense pour ceux qui pensent et qui voudraient donner une chance à la France.